Amis confinés, bonjour. Épisode numéro 7 de cette petite chronique de Géovirale ou comment penser le monde en géographe avec le virus. Alors nous le constatons tous et toutes, à mesure que l'épidémie s'installe, le temps du confinement s'étire, à la fois émolliant et angoissant. Nous voilà enfermés chez nous, parfois contraints de vivre des coexistences pas si pacifiques que cela avec nos co-occupants, et comme encapsulés dans une intériorité personnelle pas toujours facile à vivre, tant il est vrai que l'on découvre que l'on ne coïncide pas forcément aisément à soi-même dans cette étrange situation d'inaction forcée. Bien sûr, les réseaux dits « sociaux » nous donnent la possibilité de maintenir les contacts, et même parfois de faire preuve d'un altruisme et d'un souci d'ouverture qui ne se manifestait pas toujours aussi clairement avant. Vous savez, cet avant d'il y a quelques semaines seulement, qui nous paraît pourtant si éloigné. Mais les jours passant, je crois qu'on réalise que cette sociabilité numérique n'est jamais loin de la parodie. En tout cas, qu'elle est défective. Que quelque chose d'essentiel lui manque, quelque chose nous manque. Ce quelque chose, je crois que c'est ce que Erving Goffman nommait les relations en public. C'est-à-dire les rencontres de face à face, directes, réalisées hors du cercle domestique, entre humains inconnus. Des relations déconfinées, à l'air libre, en coprésence concrète d'autrui. Ce qui fait défaut dans nos vies actuelles, donc, c'est la pratique relationnelle de l'espace extérieur en tant qu'il est peuplé. Lorsque nous sommes confinés, nous sommes portés, ainsi que le suggère l'étymologie du mot, aux limites, certes, mais aux limites d'une sorte d'expérience par l'absurde. Une expérience qui, en supprimant la pratique effective des lieux en présence d'autres personnes physiques, en nous privant de l'altérité, en nous sevrant de l'aventure du dehors, celle qui nous permet de croiser des gens que nous n'avons pas choisis et qui pourtant ne nous sont pas imposés, en ne faisant de nous que des Robinson domestiques, reclus dans leur sphère privée. Cette expérience, donc, nous montre à quel point, finalement, nos vies, sans partage d'espaces variés avec d'autres, ne sont que des vies dégradées. Nous souffrons bel et bien de ne plus pouvoir entretenir avec de simples quidam croisés par hasard, dehors, ce que j'appellerais des relations d'indifférence. Oui, d'indifférence. C'est-à-dire des relations effectives, car nous y sommes bel et bien coprésents, mais des relations lors desquelles nous n'avons pas la charge d'assurer un lien suivi. Nous cohabitons avec d'autres êtres humains, mais nous ne nous sentons pas obligés d'être porteurs de leurs attentes, chargés de tout savoir d'eux et de leurs goûts et aspirations, pas plus qu'ils ne sont obligés d'être porteurs de nos attentes. Dans ce type de relation d'indifférence, nous convivons civilement, mais sans adhésion nécessaire au désir de ceux que nous croisons. Nous prenons simplement le parti de liens faibles, certes, mais qui sont si importants au quotidien. Cette perte des relations en public est particulièrement ressentie en ville, car l'urbanité se fonde justement sur ce style d'interaction spatiale. Des interactions au dehors, réglées, certes, et Goffman l'a bien montré, mais non totalement contraintes. La pratique d'une place urbaine ou la pratique d'un centre commercial ou la pratique d'une mobilité, c'est cela. Il y a de l'autre, il y a de l'autre à croiser, il y a de l'autre à
observer en face à face, c'est réglé, mais cela reste ouvert, sans trop de contraintes, sans trop de menaces. Alors qu'aujourd'hui, même aller faire ses courses, ou se livrer à un exercice de plein air, apparaît comme risqué, menaçant, et de surcroît est totalement surencadré et même placé désormais sous l'arbitrage de la police. Alors le mérite, pour un géographe en tout cas, de cette période inédite par son ampleur mondiale et sa durée à ce jour inconnue, c'est de rappeler que l'individu est un être spatial, mais c'est aussi un devenir spatial. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de ses relations spatiales à l'extérieur de chez lui. Car l'espace trame l'existence individuelle et sociale, au double sens de tramer. L'espace est la trame matérielle par laquelle les vies humaines sont possibles. L'espace, l'espace urbain, l'espace public, était, il soutient, il est une condition de possibilité de l'existence de l'individu en société. Pas une condition a priori abstraite, mais la condition concrète de l'expérience humaine par excellence, qui est la cohabitation effective avec d'autres. Mais l'espace trame dans un second sens. Il est aussi ce qui permet d'orienter les récits que nous faisons en permanence de nos cohabitations. Ce que j'appelle les imaginations géographiques sont essentielles pour comprendre ce qui se trame en matière de possibilité d'organiser l'espace de vie de notre espèce, d'organiser l'espace et le temps de nos vies individuelles. Tant il est vrai que nous n'arrêtons pas de raconter des histoires sur nos vies dans nos espaces de vie. Et aujourd'hui, en raison du confinement et de l'épidémie, nous devenons visiblement en panne d'imagination narrative. Car notre vie spatiale s'est réduite comme une peau de chagrin. Et notre capacité d'imaginer notre avenir commun s'en trouve sans doute amoindrie d'autant. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Quelques références de lecture. Eh bien, j'ai parlé d'Erving Goffman, évidemment ce maître livre, La mise en scène de la vie quotidienne, en particulier le volume 2, intitulé Les relations au public. Ça a été publié il y a pas mal d'années maintenant, aux éditions de Minuit. C'est une lecture véritablement extraordinaire. Je vous la conseille. Tout Goffman, de toute façon, est à conseiller. Et puis, une petite référence à un texte beaucoup plus court, et très clair. Le texte de Goffman est également très clair. Je bafouille, mais je ne refais pas la prise cette fois-ci. Un texte de Christian Salmon, publié dans la très bonne revue en ligne, AOC, Analyse Opinion Critique, dans lequel cet auteur, Christian Salmon, revient justement sur les problèmes d'imagination et de narration, et ce texte s'appelle « Coronarration » ou « Les paroles gelées ». Voilà, ne confinons pas idiots, soyons attentifs, protégeons-nous, protégeons les autres, ne perdons pas le moral, et un jour ou l'autre, nous finirons par ressortir et éprouver de nouveau la joie de ces relations en public que j'ai évoquées aujourd'hui. À bientôt !